C'est l'histoire d'une femme de 28 ans qui a fait semblant d'être bien jusque-lors. Et quand le film commence le jour où elle prend la décision de prendre son sort en main, son destin en main, de se réapproprier sa vie et d'arrêter de faire semblant d'être bien. Et elle va se confronter à son passé de fille violée par son père, en fait. Elle est complètement tétanisée face à son père, à son bourreau. Et maintenant qu'il est dans le coma, la situation est inversée. C'est lui qui est couché impuissant dans le lit et elle qui est debout. Et donc la situation est inversée et ça va lui permettre de régler ses comptes. Elle décide, a priori, que son père entend. Voilà. Elle se dit, on ne sait pas en fait hein, si on entend ou pas quand on est dans le coma. On le sait après s'ils se réveillent. Ils peuvent dire oui, j'entendais, mais ou pas. Mais donc elle ne sait pas et elle se dit, bon, lui, il va entendre, c'est sûr qu'il entend. Et en effet, quand je dis elle règle ses comptes à elle, évidemment, hein,